Pam, bonsoir à tous, bienvenue sur Bacchanal Live, le live de plongée sous-marine. C'est Assassin's Creed Subnautica. J'espère que vous appréciez. Trouvera au fond du seul bol. Ouais, je sais pas. C'est peut-être trop compliqué pour moi, les énigmes. Il va y avoir le X marque l'emplacement, quoi, comme dans toutes les bonnes cartes. Je sais pas, moi, les pirates, ils ont pas mis des X par hasard. T'es pas... Dégage, toi! Tu me forces à monter sur ton bateau, je te coule, mec. Je comprends rien à ce que tu dis. C'est sûrement quelqu'un de très gentil qui veut juste m'aider. Force-moi pas à m'énerver. Ah là là. Ouais, bon allez, je comprends rien. Trop nul. Retournons là où on en était. Non, parce que bon, c'est bon. Ah, non, pas... J'ai pas pillé l'arsenal. Étrange. Allons là. Je fais un déplacement rapide à côté, c'est parfait. On va pouvoir se mettre en jambe juste avant d'aller faire la quête, donc il faut tuer le serpent. Ah ouais, ça me semble pas mal. Hey, salut à Lucas, bienvenue sur Bacchanal Live. J'espère que t'as vu, FBK, il fait un live demain à minuit. Un live Halloween. Pour tous ceux qui ont peur. T'es obligé de le remettre ça?
J'ai essayé de l'oublier. Ah ouais, mais tête de mort. D'accord. Tête de mort, ça veut dire pas gentil. Allez, passe une bonne soirée, mon ami. Je me demande ce qui t'a fait croire que tu pourrais gagner. Mon gros pénis. C'est bon. Visiblement trop gros pour ce que je voulais faire. Ah non, non, ça devrait aller. Je pense que je cours pile la bonne vitesse. Bon, du coup, on va changer de cible. Clairement, je suis pas prêt, quoi. Bon, alors. On a un temple gigantesque à piller. Tous ces gardes. Ah, il va falloir en planquer 2-3, je pense. Bon, après, ils sont pas à un niveau foufou. On devrait pouvoir gérer. Il a l'air d'avoir une entrée là. Ça a l'air d'être pas mal pour rentrer dans le temple. On peut peut-être passer par les toits sans se faire trop repérer. Hein. Après, c'est du bac à live. Hein. Il y a des chances qu'on se fasse repérer quand même. Mais en théorie, je peux le faire. Doit être là pour ça. C'est peut-être plus pratique la nuit en fait.
après tout, dans Assassin's Creed, normalement, le but, c'est de tuer les cibles et pas les trois quarts du monde. Enfin, ça, c'est l'idée de base. Hein. Après... Forcer à tuer un soldat, voire deux. Ouh, des flèches. C'est cool ça. Allez, partez. Sûrement le vent. Putain, s'il partait juste 2 minutes, tu remontes là. Putain, il y a l'autre qui arrive. Allez, casse-toi. On a dit qu'on tuait personne. Tu vas pas me forcer déjà à rompre ma promesse. Voilà. Ah ouais, c'est le garde sur le mur qui m'a vu. Et il s'est pas dit, tiens, c'est bizarre, il montre. Tu serais pas un petit peu teubé, toi, non? Une échelle.
Ah, une clé. Il était mieux avec la barbiche. Ah, vraiment, je préfère. Les documents officiels. Ce coffre appartient au scribe royal, Eudoros. Un double fond. Une lettre. Très cher Ibis, le pharaon demeure docile. Il reste notre marionnette en toutes choses. Agis avec prudence, Asiwa. Le meurtre du héron n'était pas le premier. Deux d'entre nous ont aussi été tués ici, à Alexandrie. Nous gardons pourtant le contrôle de la situation. Genadios s'emploie à interroger la population. Nous louons tes efforts, Ibis. Longue vie. Marqué du sceau du serpent. Scribe royal et le serpent. C'est Eudoros. Aya a dit que le scribe royal allait souvent au bain. Je vais aller tuer ce nez qui tient tête de Doros. Hein? C'est pas ici qu'il faut le tuer? Franchement, vu que c'est pas ici qu'on doit tuer la cible, on peut tuer tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon d'accord, j'avoue que j'ai un peu les nerfs de pas avoir de cible. Enfin, de pas avoir de cible. Franchement, après tout ce travail pour venir juste ici sans tuer, et cette chance du diable là, qui m'a sauvé quand le mec il nous regardait mais qui nous a pas vu. Sûrement, sûrement le vent. Une fenêtre ouverte quelque part, ça va pas l'air.
la porte, hein. C'est comme ça. Je suis pas trop pour ce genre de procédé là, entrer par les portes. Enfin... Faut dire quel bon cambrioleur rentre par la fenêtre. Enfin, par la porte. J'ai tellement envie. Il y a un petit. Sûrement le vent. Sûrement le vent. Putain, de nuit, c'est passé tout seul. Rien ne dit que tout danger soit écarté. J'ai bien fait de regarder derrière moi quand même. Parce que là j'étais prêt à partir. Alors j'avoue, c'était vraiment pas propre. Là pour le coup. Il faudrait les petites fléchettes qu'on dort, je pense. Maker.
Merde, je dois pas avoir pris le talent pour tuer en chaîne. Si? Non. Il en fallait deux! Et j'en ai zéro! Putain, il passe assez près, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'ils laissent pas les cadavres où ils sont. Très propre, les roues. Je suis prêt. On semble à rien. Je ne veux pas de surprise. Ah, t'as laissé ton con le porte. Pourquoi j'ai un point d'exclamation à chaque fois là? Il est vachement loin celui-là. C'est quand même pas celui-là que je vois. Oui, j'ai essayé de grimper un arbuste. C'est normal. C'est du bac à elle, c'est. C'est ça la qualité. Vous habituerez. C'est dommage de ne pas avoir les assassins en chaîne parce que là il y avait de quoi se faire de l'XP. C'est pas grave. Notre objectif est là-bas. En tout cas, c'est un peu étrange parce qu'en fait, je suis le seul à porter les armes par les soldats. Mais ça dérange personne, visiblement. Ou une arène spéciale. Ça va être la qualité, je pense. Oh, je suis tout nu avec ma dague, quoi.
J'ai pas l'air du tout lourd. Y a pas du tout un garde ou deux. Rien que le bâtiment justifie. Les douleurs de sa maladie de peau ne regarde son cas sublime. Penses-tu? C'est tout simplement qu'il vient admirer les effets bénis. Il n'est pas le seul. L'humeur du prêtre s'améliorerait peut-être s'il se débarrassait. Tout est bien à votre goût, Seigneur. L'eau est bien tiède aujourd'hui. Quelle négligence. Qu'est-ce qu'il prend, quoi? Salut, toi. Seigneur, tu vas bien? Est-ce que tout vous convient? Oui. Un instant. Je me prépare des serviettes. Faire quelque chose pour lui. Cesse de venir m'ennuyer. Encore abusé du jus de la treille. Crétin. Oui, mais je compte pas m'arrêter là. Mais notre pharaon, est-ce qu'il serait moins bête si j'étais à jeun? Il est interdit de venir ici. Où sont mes divertissements? Par les dieux, il faut vraiment que je trouve tout moi-même. Je crois que j'ai fait un peu de bruit. L'origine du doigt coupé pour la lame secrète. Voilà, vous l'avez. Meurs et disparaît à jamais. Que les dieux te maudissent. Pourquoi veux-tu me tuer? C'est toi qui as tué mon fils sous mes yeux. Tu n'es qu'un fou. Au temple, à Siwa. Ce sinistre trou à rats perdu. Je n'ai rien à voir avec ce désastre. Il est trop tard pour mentir. Anubis, t'attends. Pour tuer le serpent, ça en valait bien la peine. Le serpent? Le serpent ne mourra jamais. Oh. Fils d'Apep, le seigneur de la droite attend. Et l'origine de la plume pour récolter le sang de la victime. Oh, il y avait même une échelle pour nous aider à monter, quoi.
Dommage. Voilà. J'ai tué que Odoros. Ah putain, maintenant on peut se balader à poil. Dorénavant, équipement obligatoire. Hein. Ah, on peut choisir la coiffure. Trop bien! Trop bien! Je suis un Ashishiyun. C'est le même type de munition. C'est marrant, toi, tu me donnes des trucs tout pourris et il faudrait que je les mette. En plus, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, salut Soleil! Welcome on Back Here Live! T'as vu ma nouvelle tenue de Ashishiyun? La classe, non? Là, on sent la virilité de l'assassin, là. Tu vois? Ce petit torse velu. Je suis un Ashishiyun. Je suis un assassin. Je suis la nuit. Les ténèbres. Personne ne me repère. J'ai les boules à l'air. Oui, restez pas en dessous, vous allez voir des trucs que vous n'avez pas l'habitude. Ah bah là, le meilleur, hein. Franchement, je suis sûr que c'est super roleplay en plus. Salut chérie. Mon amour. Tu as vu ma tenue d'Ashishiyun? Le serpent et Genadios sont morts. C'était Eudoros. Il a sombré dans les eaux des bains. J'aurais aimé assister à sa mort. Ma femme. Ma femme. Ah bah voilà, c'était bien. C'est fini, le jeu, on a vengé son fils. Je ne fais que commencer. Ah bah ouais, mais forcément, le jeu, maintenant, il me dit que c'est pas fini. Et il faut pas le spoiler comme ça. Tout le monde pensait bien que les autres zones n'étaient pas là juste pour le plaisir. Dis, je me demandais si je devais te sortir de là. Ton adrénaline et ta tension sont élevées. Ça affecte ton rythme cardiaque et tes relevés hormonaux. En particulier la... Ouais, je joue tout sur PC. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Sur le launcher de Ubi. Aya est là. C'est qui? La femme de Bayek. Je la sens tout près. Ça doit être l'effet de transfert. Avec les mémoires de Bayek, tu ressens aussi ses émotions. Non, débile. Je crois qu'elle est dans cette grotte. Les époux partageaient souvent le même tombeau. Une deuxième momie? Il faudrait le signaler à Abstergo. Si on arrive à trouver Aya.
si tu le fais pas, je m'en occupe. Diana, on se fera avoir si on suit les règles. Tu sais qu'ils me laisseront à l'écart. D'accord. Là-bas. C'est quoi? L'effet de transfert me mène à Aya. Génial. Toi qui te prenais déjà pour un super-héros. Elle est en bas. C'est à moi de faire un saut de la foi. Un saut de quoi? Putain, ce que c'est froid. J'avais raison, elle est là. Oh, t'es là. Le ciel soit loué. Je sens déjà le goût du sang. Tu dérailles de plus en plus, Leila. On doit faire notre rapport. Pas encore. Pas encore? Mais alors quand? Eh ben, pas facile de sortir d'ici. C'est bon, c'est devenu une chichi-youl, man. Je raconterai ton histoire. Qu'est-ce que tu fais, là? J'escalade. Et c'est dur. Alors, lâche-moi, tu veux? Bien. Préviens-moi quand tu seras en haut. T'as pas encore le sens développé de trouver des objets. Il y a l'air d'avoir des araignées. Oh. Elles ont un peu l'air de déchirer leur mère. Hein. Niveau taille, ça doit être quelque chose. J'y retourne. Pourquoi? J'ai fait un prélèvement ADN sur Aya. Je veux voir ses mémoires. Écoute, je comprends que ça t'excite, mais plus on prend de risques, plus ça risque de tourner mal. C'est mon rêve, je te signale. Laisse-moi faire à ma manière. Ah maintenant bah elle peut grimper et tout, c'est cool. Dis, j'ai trouvé un texte antique, il me faut la traduction. Envoie-le-moi. Au fait, quand est-ce que tu comptes avertir Abstergo? Il y a de la friture sur la ligne. J'ai pas entendu la fin. Pourquoi je me donne du mal? Je dois placer l'ADN d'Aya dans l'animus. Oh, on va pouvoir jouer à Aya du coup. J'ai retrouvé mes notes sur le code de séquençage des gènes. Est-ce que tu diras un jour à Milton que tu as fait les tests avec son ADN? Non, et je te conseille pas de le faire. Il y a des tas de moyens de faire don de son corps à la science. C'est qui Milton? J'ai encore dû louper un chapitre assassin. Pas encore ça l'escalade. Hein. Je dois placer l'ADN d'Aya dans l'animus. C'est pas deux minutes, tu vois pas que j'essaie de jouer? Ça a pas l'air prévu d'aller plus loin. Quel jeu il a pour envie?
J'ajoute l'ADN d'Aya dans l'animus. Le séquençage va prendre du temps. Tu ne pourras pas te synchroniser tout de suite. Leila, il y a autre chose que tu dois savoir. Comme tu mélanges des séquences de gènes sans respecter le protocole, la transition entre mémoires sera sûrement imprévisible. L'imprévisible, ça m'a jamais dérangé. Ah oui ? Moi, ça m'inquiète. Tu t'inquiètes pour tout. Il n'y a plus un seul antalgique. Plus un seul antalgique. Ça n'a pas l'air d'être une bonne idée, son truc. Je suis un Ashishio. Ta-ta-ta-ta. Je suis une arme de guerre. Qui a-t-il ? Le serpent. Et s'il n'était pas le dernier ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ils sont tous morts. Justice est faite. Si tu as des questions, Apollodorus a les réponses. Il sait tout. Et où je peux le trouver, cet homme qui sait tant de choses ? Auprès de Cléopâtre. Un homme peut y conduire, il est près de l'hippodrome. Hey ! Je vais dire à Phanos que Gennadios est mort et je reviens. Profite de l'hippodrome. Ne perds pas tout ton argent aux courses. C'est pas mon genre. Hein. Franchement. Bon alors. Je pense qu'on va faire celui-là. Parce que c'est quand même beaucoup plus drôle. Attends, on pouvait sauter. Ah bah non, on pouvait pas. C'est où cette quête ? Merde, c'est une quête suivie. Bientôt, bientôt. La suite demeure.